Ça, c'est de la compétition linéaire. Tout ce que je vous raconte, bien sûr, est intéressant, comme je vous l'ai dit, dans l'absolu, bien au-delà du sport. J'ai voulu cristalliser cette question sur peut-on courir le 100 mètres en moins de 8 secondes? Mais en réalité, vous avez compris que le sujet, c'est la compétition non linéaire. Et ça touche toutes les activités où il y a de la compétition. L'industrie, la création d'un nouveau produit, etc. Et vous avez beaucoup d'entreprises qui ont réalisé de la compétition non linéaire, typiquement Dyson, mais plein d'autres. Bah, Tesla, hein, quand ils sortent le Cybertruck, ils explosent les prix, et ils font de la compétition non linéaire brutale.